Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Voilà enfin un sujet où une majorité à l'Assemblée va pouvoir être trouvée de manière assez pacifique. Ce mercredi à 15h, les députés doivent se prononcer sur l'adoption de la loi de programmation militaire pour la période 2024-2030 et devraient vraisemblablement voter pour ce projet. Le budget de l'armée devrait donc se voir rehaussé de 100 milliards d'euros pour atteindre un total de 413 milliards d'euros sur la période, soit une augmentation assez nette de 40%. Les axes principaux de ce budget ont été définis par le ministre des Armées Sébastien Lecornu: la dissuasion nucléaire, la poursuite de l'aide militaire à l'Ukraine, mais aussi et surtout l'entretien et la rénovation de l'équipement déjà existant, ainsi que la défense de nos territoires d'outre-mer. Alors ce budget est-il réellement suffisant pour assumer les ambitions et assurer les ambitions de la France à l'international? Pour en parler ce matin, nous sommes avec deux spécialistes de la question militaire. Bonjour Philippe Nicolardo. Oui, bonjour. Vous êtes ancien contrôleur général des armées, patron des missions, nos auditeurs vous connaissent bien, du Libre Journal de la Défense. Est-ce que vous pouvez nous dire quand sera votre prochaine émission? Mais écoutez, ma prochaine émission, elle aura lieu le 19 juin et j'évoquerai la question de l'importance de l'histoire avec un professeur agrégé, Ambroise Tourniol Duclos. Voilà. Le 19 juin, rendez-vous le 19 juin pour cette émission. Et nous sommes également avec Bernard Wicht. Bonjour Bernard Wicht. Bonjour. Vous êtes donc expert en stratégie militaire, private docent à la faculté des sciences politiques et de l'université de Lausanne. Et vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages dans le domaine de la géopolitique, notamment sur la transformation de l'État moderne, celle de l'outil militaire de la défense citoyenne. Je vais en citer quelques-uns de vos livres: Les loups et l'agneau citoyen aux éditions Astrée, Vers l'autodéfense, le défi des guerres internes aux éditions Jean-Cyril Godefroy, et puis dernièrement, Ce que l'Ukraine nous dit de la guerre qui vient, un entretien réalisé par Laurent Chang et Slobodan Despot pour les éditions Perspectives Libres. Je voulais revenir d'abord peut-être avec Philippe Nicolardo, puisque nous vous avions invité il y a deux mois de cela, quand le projet avait été dévoilé, et vous nous disiez à l'époque que cette augmentation assez historique quand même du budget, il faut le dire, de l'armée française, à rebours de ce qui a pu être fait pour les lois de programmation précédentes, cachait quand même quelque part, au-delà de certaines ambitions, une sorte de retard à combler, c'est ça? Oui, tout à fait. D'ailleurs, je ne suis pas le seul. Il y a des gens très autorisés sur la place de Paris qui rappellent qu'il s'agit qui soulignent qu'il s'agit d'une loi de rattrapage, parce que il est quand même difficile, après plus de 30 années de réduction des budgets et de contraction des formats de nos armées, de renouveler à la fois un parc de matériel, recruter suffisamment de gens et puis satisfaire des inquiétudes liées à la montée des menaces de conflits interétatiques et puis de satisfaire aux besoins qui sont maintenant liés à des risques de conflits, ou en tout cas de voir notamment la zone Indo-Pacifique devenir une zone extrêmement conflictuelle. Donc globalisation de la menace, reconstitution de nos forces, c'est là des défis extrêmement compliqués. Et j'ajoute, parce que pour préparer cette émission, je me suis replongé dans l'histoire, vous savez, je l'aime, eh bien je retrouve une déclaration Marcel Bizard, quand il était secrétaire d'État à la Défense au début du septennat de Giscard d'Estaing, en 1976, il déclarait comme secrétaire d'État à propos des travaux sur la loi de programmation de l'époque, qu'on appelait peut-être encore loi programme: c'est un véritable tour de force, disait-il, à l'heure actuelle, on est en 1976, de constituer une force stratégique tout en maintenant des forces traditionnelles. Alors, le langage est peut-être un petit peu daté, mais en réalité, la problématique demeure malgré cette hausse significative du budget. Vous évoquiez les 400 et quelques milliards, 413, mais pour nos auditeurs, je l'avais dit et je le rappelle, les 413 milliards d'euros sur la durée de la loi de programmation, ce sont des ressources prévues. Mais la réalité, ce sont les crédits de paiement
dans le cadre de l'annualité budgétaire. Et c'est là que, année par année, se joue, se vérifie la sincérité et la volonté de la représentation nationale de mettre en œuvre ce qu'elle a voté un jour avec, semble-t-il, beaucoup de, pas d'enthousiasme, mais dans un consensus politique assez fort. Voilà. Bien sûr, et d'autant plus qu'il faut rappeler aussi qu'une partie de ces 413 milliards d'euros est vouée également à compenser l'inflation qui touche évidemment aussi l'équipement militaire. Bernard Wicht, alors vous, donc, est-ce que c'est aussi le signe de cette puissance armée en Europe? Alors la France reste l'un des chefs de file militaires en Europe, mais quand même de puissances européennes qui sont vraiment très très affaiblies finalement militairement et qui, au lieu de se projeter comme les puissances militaires majeures dans les nouveaux domaines, doivent aujourd'hui allouer des fonds assez importants simplement pour combler des retards. Alors, j'aimerais tout d'abord dire que l'augmentation du budget de 100 milliards, plus de 40% d'augmentation, c'est quand même très réjouissant. Et la France, lorsque on signale que la France a ces 30 dernières années très peu investi, elle n'est malheureusement pas l'exception, c'est la règle. Tous les États en Europe, à partir de la chute du mur de Berlin, ont voulu ce qu'on appelle engranger les dividendes de la paix, et les effectifs des forces armées, les moyens, ont fondu un peu comme neige au soleil. Donc là, je trouve très, très rassurant, très réjouissant de voir cette loi de programmation. Je donne évidemment un regard de l'extérieur, hein, je ne suis pas… impliqué directement, mais c'est très réjouissant. Il y a un aspect qui, évidemment, en tant que Suisse, m'a particulièrement réjoui, c'est la réserve opérationnelle et le fait qu'on veuille la renforcer en ayant un réserviste pour deux militaires d'active. Donc là, je trouve que ce sont des signaux très importants parce que au-delà, et vous venez de l'évoquer, au-delà des vraiment des grandes percées technologiques, il ne faut pas oublier les forces morales, la dimension humaine et tellurique. Et là, cette remise, je dirais, au devant de la scène de la réserve opérationnelle, je trouve ça très, très important. C'est le lien armée-cité et c'est aussi là-dessus que se base la volonté de défense. Bien sûr. Et Philippe Nicolardo, d'ailleurs, sur ses effectifs, alors Bernard Wicht a évoqué la réserve opérationnelle. Vous vouliez continuer? Je crois que je vois bien que l'intérêt de son propos par rapport aux réserves à la réserve opérationnelle, parce que je crois que la question de cette question-là, elle est vitale pour toute armée professionnelle, et c'est on peut le regretter aujourd'hui. Ça a été un des grands échecs lors du passage à l'armée de métier ou à l'armée professionnelle, c'est que jamais on a voulu traiter sur le fond la question des réserves. Or, on savait, en tout cas tous les gens qui avaient travaillé autour du président Chirac et même avant son arrivée aux affaires, parce que dans un certain nombre de milieux autorisés, on savait quelle était la position de Chirac sur le devenir du service national. Les gens savaient qu'il n'y a pas d'armée professionnelle sans forte réserve. Et là, je rejoins tout à fait notre ami suisse. Je crois que là, effectivement, on peut se réjouir. Maintenant, je suis peut-être un petit peu plus sceptique que lui. Attendons et voyons comment, dans la durée, on va mettre en œuvre une réserve opérationnelle en espérant qu'elle sera équipée, hébergée, entraîner de telle sorte que nos militaires de réserve soient immédiatement disponibles et opérationnels. Et là, je n'ai pas encore vu dans la loi de programmation les éléments qui permettaient de croire que nous aurons une réserve opérationnelle vraiment opérationnelle. Donc oui, c'est réjouissant, oui, c'est encourageant, mais j'attends dans les années qui viennent, c'est-à-dire un an ou deux, ce que sera vraiment cette réserve. Mais je forme des vœux pour qu'elle soit à la hauteur de nos ambitions. Je le répète, il n'y a pas d'armée professionnelle sans véritable réserve. Et juste avant de rendre la parole à Bernard Wicht, également sur la question du service national universel, alors ça a commencé à être mis en place par le gouvernement. On a vu quand même des séquences vidéo
qui montrent que ce n'est pas, en tout cas, on ne peut pas dire que c'est l'équivalent d'un service militaire normal, mais est-ce que vous pensez que ça reste une manière pour les jeunes de s'intéresser un petit peu à l'armée ? Écoutez, permettez-moi de faire part de mon scepticisme sur ce projet. Il peut avoir de l'intérêt dans la mesure où, en recevant tous ces jeunes, on peut les sensibiliser à la question de la défense et puis, pour certains, aller plus loin et leur donner le goût du métier militaire. Mais je ne vois pas d'intérêt militaire à cette affaire-là. Je crois qu'il faut... De mon point de vue, il faut que les états-majors, et je crois que c'est leur position, se concentrent sur la mise sur pied, sur la fidélisation des réserves, ce qui suppose, avec les employeurs, notamment privés, des accords permettant aux gens de se libérer. Or, en France, nous n'avons pas la culture de la réserve comme dans d'autres pays. Donc ça, c'est un véritable enjeu, intégrer les réserves à nos armées et effectivement, vis-à-vis des employeurs, montrer tout l'intérêt qu'il y a pour eux et pour la France à disposer de véritables soldats de réserve. Mais je crois que le chemin est encore long. J'imagine. On va continuer à évoquer notamment forcément donc toutes les dimensions de cette loi de programmation militaire, la question de la dissuasion nucléaire, effectivement la question des effectifs, et puis on va voir si cette loi de programmation militaire permet à la France d'assurer ses ambitions à l'international, notamment en ce qui concerne son soutien à l'Ukraine. On fera également un petit point avec Bernard Wicht sur cette situation en Ukraine, mais tout de suite, il est bientôt 8h sur Ligne Droite et on fait un rapide point sur les informations avec Emmanuel Noël. Ligne droite. La table ronde. Nous sommes toujours avec Philippe Nicolardo, ancien contrôleur général des armées, qui assure l'émission Le Libre Journal de la Défense, dont la prochaine édition est le 19 juin prochain sur les antennes de Radio Courtoisie. Nous sommes également avec Bernard Wicht, expert en stratégie militaire, private docent à la faculté des sciences politiques de l'université de Lausanne. Je voulais revenir avec vous, Bernard Wicht, vous donner un peu plus longuement la parole sur, effectivement, vous avez commencé par un constat positif, c'est très gentil, venu de la part de la Suisse, mais ce constat, il est également quand même que depuis 30 ans, les puissances européennes et la France en premier ont accumulé un retard en se disant finalement on va déléguer la sécurité internationale aux États-Unis et donc on va se désarmer progressivement et aujourd'hui ça pose quand même problème, notamment lorsque la France par exemple veut assurer le soutien d'un conflit de haute intensité en Ukraine. Alors c'est certain, c'est que je dirais le coût technologique des armes modernes est tel que ça réduit les effectifs et le nombre d'appareils que l'on peut engager. Il y a même, et ça ne touche pas que la France, il y a même un général américain qui a dit voilà, si on continue l'explosion des coûts l'achat des avions, alors bientôt on pourra en acheter une cinquantaine qui seront 6 mois par année à disposition de la Navy et 6 mois par année à disposition de l'Air Force. Donc ça montre que le coût technologique impose des sacrifices même aux très grandes puissances. Et il est vrai qu'en Europe, on a eu tendance à se reposer sur les lauriers de l'oncle Sam, ça c'est certain. L'intervention franco-britannique contre la Libye a vidé les réserves de munitions de ces deux pays en l'espace de quelques semaines d'intervention. Donc c'est clair que les armées européennes, elles ont un très petit rayon d'action. Et puis la guerre en Ukraine nous a montré qu'elles n'avaient aucune réserve de matériel, puisque lorsqu'il a fallu équiper l'armée ukrainienne, alors il a fallu puiser directement dans les arsenaux des armées concernées, que ce soit la France, que ce soit l'Allemagne, que ce soit le Royaume-Uni, etc. Donc là, il y a un réel enjeu sur ou bien on investit dans la haute technologie, mais dans ce cas-là, on ne peut avoir que, je dirais, quelques éléments du mécano. Je prends facilement la comparaison. Quand vous étiez enfant, vous alliez chez le petit copain dont les parents étaient assez aisés ou qui avait un parrain très généreux, et puis il avait toute la collection, que ce soit le jeu de Lego ou le jeu de mécano. Puis vous rentriez chez vous et puis vous n'aviez peut-être que 2-3 petites pièces. Puis vous diriez, ce serait chouette si j'avais le tout. Donc les armées européennes, elles sont dans la situation des
du petit garçon ou de la petite fille qui rentre chez lui et puis qui dit « Ah ben moi, j'ai juste trois petits éléments, mais je peux de loin pas assembler le tout, il me manque énormément de pièces. » Ça, c'est un problème qui va se maintenir puisque la course à la technologie continue. Maintenant, si vous me permettez une hypothèse personnelle, c'est que la guerre en Ukraine a quand même montré une chose assez intéressante. C'est que tout d'un coup, l'aviation disparaît du champ de bataille. Alors, l'aviation russe qui avait la maîtrise des airs pratiquement est absente désormais depuis plus d'une année. Et alors, certains ont dit que c'était grâce à l'efficacité de la défense antiaérienne ukrainienne, mais ça paraît pas vraiment plausible puisque récemment, le président Zelensky a dit « Moi, la seule chose dont j'ai besoin, c'est des missiles patriotes américains et je n'en ai pas ». Donc, mon hypothèse, c'est que pour les Russes aussi, l'aviation, c'est devenu une arme extrêmement coûteuse. Non seulement pour son engagement, mais pour son entretien. Hein. C'est une heure d'entretien pour une heure de vol, ça coûte très très cher. Or, qu'est-ce qu'on voit ? On voit apparaître des armes, je dirais, de plutôt low cost, low tech, comme les drones. On voit tout d'un coup la Russie s'équiper massivement de drones iraniens qui sont pas à la tête de la technologie, mais qui fonctionnent très bien et qui sont surtout très 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 peu coûteux à acquérir. Donc là, je pense qu'il y a une sérieuse réflexion à faire. Est-ce qu'on doit continuer vers le high-tech, high-cost, comme on dit en français moderne, avec le risque que je signalais, ou bien est-ce qu'on doit plutôt se réorienter vers des solutions low-cost, low-tech, qui, alors, elles, permettent de retrouver une certaine masse? Le conflit en Ukraine nous donne en tout cas des pistes dans cette direction. Et si on remonte un tout petit peu, on a eu le conflit entre le Haut-Karabakh et l'Azerbaïdjan. Et là, à nouveau, on a vu l'importance des drones, etc. Donc là, je crois qu'il y a vraiment des questions à se poser. On est un tournant, on est en tout cas un carrefour où il faudra se poser des questions fondamentales. Et on voit aussi bien, je vous en prie, que les chaînes de production ne suivent plus. Ne serait-ce que dans le cas de l'Ukraine, on dit Kraus Maffei, qui est le fabricant du Léopard 2, dit ouais, oui, bon, moi je pourrais élever des Léopard 2 si l'Allemagne me l'autorise, mais il me faut une année pour les produire. Et les chars américains, promis, on ne sait pas encore s'ils arriveront, ne devraient pas arriver avant la fin de l'année. Pourquoi ? Parce que les chaînes de production travaillent, je dirais, à un rythme civil, et non plus à un rythme de guerre de haute intensité. Effectivement, Philippe Nicolardo, là-dessus, en fait, finalement, on se rend compte que tous ces équipements de haute technologie qui peuvent être très performants sont non seulement peuvent être fragiles, mais ensuite, comme l'a dit Bernard Wicht, sont sujets à des chaînes de production extrêmement lourdes qui ne permettent pas d'agir rapidement. Est-ce que c'est pas finalement aussi un bon choix de se recentrer aussi sur les fondamentaux, sur les effectifs, les munitions, et finalement, est-ce qu'on revient pas à une forme, sans trop exagérer, à une forme de guerre un petit peu plus à l'ancienne, avec cette course aux technologies qui fait s'envoler des prix? Je crois que quand on regarde les images du champ de bataille ukrainien, on a vraiment le sentiment d'être sur le champ de bataille européen dans les années 1915-1916, mais moyennant effectivement l'emploi de nouvelles technologies low cost, comme le dit notre ami suisse, qui modifie les conditions de la bataille au sol pour l'infanterie ou les chars. Mais cela dit, ce qui me frappe, moi, c'est que depuis 2 ans ou 3 ans, même avant l'attaque de février, les états-majors utilisent le terme de retour de conflit à haute intensité, de retour de guerre interétatique, qui suppose, comme il était dit précédemment, effectivement un substrat industriel, enfin une infrastructure industrielle.
loi de programmation. Avoir des budgets, c'est une chose, mais avoir un outil industriel réactif qui permette de faire face à ces probables ou possibles conflits intérêts étatiques, c'est autre chose. Et on voit bien qu'avec l'Ukraine, on n'a pas les moyens industriels de relancer des chaînes de production. Des chaînes de production, quand on les relance, ça veut dire trouver le personnel, l'infrastructure nécessaire. Donc moi, je suis frappé par l'écart entre ce que l'on dit de la menace à venir des années 2030-2040 et puis la réalité de notre préparation industrielle. Ça, c'est la première chose et que je crois on n'a pas beaucoup évoqué dans les débats sur la LPM, si ce n'est de façon, à mon avis, parfois un petit peu légère. Quand on parle du retour à la guerre, il faut quand même se figurer ce que c'est dans la réalité industrielle et économique. Donc là, je crois qu'on est dans le grand écart, mais je suis d'accord avec notre ami pour dire qu'effectivement, le retour, enfin l'utilisation de technologies low cost est à regarder de très très près, et que effectivement la place du drone sur le champ de bataille semble être une espèce de modification profonde d'une partie de l'art de la guerre. Je crois que les historiens de l'avenir l'écriront ainsi. Très bien, je voulais revenir avec vous deux également sur un des piliers de la stratégie militaire française, c'est la fameuse dissuasion nucléaire. Alors, ça a été évidemment évoqué par Sébastien Lecornu, puisque c'est notre pierre angulaire depuis que nous sommes en possession de cette arme. Est-ce qu'aujourd'hui, on sait que pendant la guerre en Ukraine, pendant les premiers mois de la guerre en Ukraine, Emmanuel Macron a quelque part fait un petit écart avec la stratégie habituelle, la doctrine nucléaire française. Est-ce qu'aujourd'hui, la puissance nucléaire française permet aujourd'hui à la France de se protéger, Bernard Wicht? J'ai de la peine à répondre à cette question, mais en tout cas, la nécessité de l'arme nucléaire est incontournable à l'heure actuelle. On aurait pu se poser la question avec la chute du mur de Berlin et les espoirs de paix universelle, mais je pense que maintenant, avec le retour d'un affrontement l'arme nucléaire reste incontournable. Alors, pour moi, il est difficile de répondre à cette question. Est-ce que l'arme nucléaire française est suffisamment dissuasive? J'entends, la question s'est posée, y compris pendant la guerre froide. La France avait une doctrine de dissuasion qui disait on ne va pas concurrencer ni la puissance nucléaire soviétique ni la puissance nucléaire américaine, mais on est capable de faire suffisamment mal pour qu'on nous respecte. Et c'est ça un peu l'idée de la dissuasion, c'est que l'autre en face en a peut-être 10 fois plus, mais on est quand même capable de lui porter des coups extrêmement durs, de façon à ce que ça le fasse réfléchir. La dissuasion ne veut pas dire qu'on va rendre coup pour coup, mais qu'on montre qu'on a suffisamment, je dirais, de moyens pour se faire respecter. Et dans ce sens-là, l'arme nucléaire me semble absolument incontournable à l'heure actuelle, y compris, et surtout, je dirais, en Europe occidentale, parce que la France a une indépendance de ce côté-là, ce qui n'est par exemple pas le cas du Royaume-Uni, où on est très très aligné sur Washington, tandis que la France a gardé son indépendance et sa souveraineté en matière de d'armes nucléaires. Ça, c'est très important pour l'Europe occidentale. Philippe Nicolardeau, sur cette doctrine nucléaire française, c'est quelque part, c'est notre dernier espace de souveraineté totale dans le domaine militaire? À la fois, c'est notre dernier espace de souveraineté totale. C'est un espace dont il faut mesurer le coût, parce que dès lors qu'on a décidé que la dissuasion nucléaire était, comme vous l'avez dit, la pierre angulaire de notre défense, eh bien, au plan budgétaire, le reste des crédits la politique budgétaire de la France en matière de défense dépend essentiellement de la dissuasion. Et c'est pour ça que le débat reste entier sur la part du nucléaire par rapport au conventionnel, dans un univers
où la guerre froide est finie depuis plus de 30 ans et où, à côté de cette dissuasion, eh bien, il y a nécessité d'avoir des moyens classiques importants pour mettre en œuvre ce qu'on appelle une stratégie d'action. Et aujourd'hui, et je ne discute pas la nécessité de disposer d'une force de dissuasion nucléaire, aujourd'hui, plus que jamais, se pose la question pour nous d'avoir un système de défense quasi complet. On est le seul avec les États-Unis, mais évidemment avec une panoplie beaucoup plus réduite, d'avoir tous les moyens de la dissuasion autonome, non pas comme les Britanniques dépendants des États-Unis, et en même temps de devoir disposer de forces classiques à la fois lourdes et d'intervention compte tenu de notre champ d'influence ou de ce qu'était notre champ d'influence en Afrique. Et pour en revenir à l'origine de notre discussion, je ne pense pas que les 413 milliards permettent de satisfaire toutes ces ambitions, c'est-à-dire sanctuarisation, capacité de durer dans un conflit interétatique et d'intervenir sur le champ africain. Je pense que là, il y aura une autre émission à faire, c'est que est-ce que compte tenu des menaces qui s'annoncent et des risques de déstabilisation du conflit du continent africain, la France a-t-elle les moyens ou aura-t-elle les moyens de faire face à des déstabilisations majeures en Afrique? Et là, c'est une question de vision politique des choses et je crois que la loi de programmation ne tranche pas en la matière et pour moi, c'est un de mes profonds regrets. Quid de notre stratégie d'influence et des moyens qui y sont consacrés en Afrique compte tenu de l'importance de ce continent dans les 50 ans ou dans les 100 ans à venir? Effectivement, bon, ça mériterait effectivement une prochaine émission entière. Bernard Wicht, alors pour continuer sur le nucléaire, on a vu que récemment les Russes avaient déplacé des ogives nucléaires, des missiles nucléaires au Bélarus. Est-ce que ça signe le risque d'un potentiel conflit nucléaire en Europe prochainement? On ne peut pas l'écarter. Si j'étais chef d'état-major de l'OTAN, je ne pourrais pas l'écarter dans mes travaux, dans mes plans, etc. Je pense que la réalité d'un engagement nucléaire est beaucoup moins évidente et très très peu probable. Si les Russes le font, c'est, je dirais, pour montrer qu'ils sont prêts à tout, qu'ils ont pris toutes les dispositions afin que. Mais je doute qu'il n'y ait, et d'un côté et de l'autre, l'envie d'une escalade nucléaire. Je rappelle qu'au moment où la guerre a éclaté, c'était au mois de juin, enfin, après l'éclatement de la guerre, et c'était vers le mois de juin de l'année dernière, juin-juillet, aussi bien à Londres qu'à Washington, on a dit qu'on avait des preuves de la mise en œuvre, de la préparation russe en vue d'une frappe nucléaire. Et aussi bien la CIA que le commandant en chef de l'armée britannique ont totalement, désavoué ces propos en disant que, en fonction de leurs observations et de leur analyse, il n'y avait aucune préparation du côté russe en vue d'une frappe nucléaire. Donc je crois que des deux côtés, on est heureusement, on a encore des gens qui ont la tête froide et qui ne vont pas glisser dans une telle escalade. Et pour sur le soutien occidental, puisque donc c'est aussi la question, est-ce que la France peut assurer ce soutien occidental? On a vu récemment que, enfin ce soutien à l'Ukraine en tout cas, que l'Ukraine avait commencé à attaquer, alors ça fait longtemps, mais ça s'est intensifié au mois de mai, à faire des attaques non plus pour se défendre, mais carrément sur le territoire russe. Enfin en tout cas, il les nie, mais il y a peu de doute que ce soit autre chose que l'Ukraine. Est-ce que le fait que l'Ukraine commence à attaquer le territoire russe directement, ça peut pas aussi un peu fragiliser ce soutien occidental et faire se dire aux occidentaux, nous on avait soutenu l'Ukraine pour qu'elle puisse se défendre, on va pas continuer à la soutenir si elle souhaite attaquer la Russie?
Je pense qu'il y a, cet aspect-là. Il y a toujours eu la volonté de ne pas, je dirais, de ne pas se présenter en agresseur de la Russie, mais comme vous venez de le dire, en défenseur ou en soutien des initiatives de défense de l'Ukraine. Et là, je pense qu'il y a entre les soutiens occidentaux et l'Ukraine, il y a une tension diplomatique qui est en train de devenir de plus en plus importante. On a vu la tournée diplomatique du président Zelensky pour essayer d'expliquer qu'il ne pouvait pas faire cette grande offensive pour le moment. Et puis, expliquant aussi qu'il lui faudrait une arme aérienne pour qu'il puisse le faire. On vient de voir qu'il y a eu quelques opérations en direction du Donbass. Mais tous les signaux montrent que l'Ukraine n'est pas prête du tout pour cette grande contre-offensive. Les chars promis ne sont pas encore là, etc. Et s'ils arrivent à la fin de l'année, compte tenu de la météo et de la topographie dans cette région, ça repousse le tout à mai de l'année prochaine. Donc, je vois très, très mal cette grande contre-offensive. D'abord, il y a quelque chose de franchement ubuesque. Hein. Quand on veut faire une grande contre-offensive, on fait tout pour la garder secrète. Et on fait tout pour faire croire à l'adversaire qu'on est faible, qu'on ne va jamais pouvoir le faire, de façon à ce qu'il baisse les bras. Or là, ça fait 3 mois que l'on chante sur tous les toits « Attention à la grande contre-offensive ». Oh, j'entends, ça tient plus, pardonnez-moi de cette expression dans le cadre dans un contexte aussi dramatique, mais ça tient carrément du grand guignol, hein. Donc, pour revenir à la question, est-ce que la France peut soutenir l'Ukraine ? Évidemment, elle peut le faire, mais les besoins sont tels. Les besoins sont tels que, et le manque, maintenant, l'Ukraine a encaissé des pertes phénoménales. Elle ne les publie pas, mais par exemple, les chiffres du Mossad parlent de 350 000 morts du côté ukrainien. Les mercenaires qui ont été dépêchés sur place ont aussi encaissé des pertes énormes. Et quand on a quelques vidéos qui nous montrent les troupes ukrainiennes, non pas de manière, je veux dire, non pas en termes de communication ou de propagande, mais quand on voit cette armée ukrainienne se déplacer sur le terrain, c'est plutôt un peu un assemblage de briques et de brocs. On voit des VAB français, après, derrière, suit un Humvee américain retapé, ensuite, on a des camions, etc. Les services britanniques ont été chargés de retrouver un peu partout dans le monde des stocks de munitions d'artillerie ex-soviétiques, puisque l'Ukraine est majoritairement équipée d'anciennes armes soviétiques, qui n'ont évidemment pas le même calibre que les armes de l'OTAN. Donc, oui, je dirais, il y a une énorme tension quand on a annoncé à grand renfort médiatique sur à peu près dans tous les forums internationaux possibles, la grande contre-offensive, et que maintenant on vient dire « oui, mais on n'est pas tout à fait prêt ». J'entends, il y a une tension entre l'Ukraine et ses mentors qui, à mon avis, n'est pas du tout rassurante pour l'Europe occidentale. Philippe Nicolardeau, je voudrais vous donner le mot de la fin. Est-ce que vous êtes d'accord aussi pour dire que ce soutien militaire de la France à l'Ukraine, ça a à la fois assez peu d'incidence sur le champ militaire ukrainien, et en même temps, pour nous, étant donné que nous avons accumulé ce retard, on l'a évoqué depuis les années 90, nous, ça a une grande influence, une grande importance dans notre budget. Donc finalement, c'est assez improductif et ça répond à des impératifs idéologiques. Bon, je crois que il n'y a pas d'incidence quand même majeur au plan budgétaire de l'aide de la France à l'Ukraine. Il y a peu d'informations sur l'impact de l'aide par rapport à nos stocks. Moi, j'avais simplement évoqué, parce que là, les chiffres sont connus, la question des Césars, pour dire que 25% du parc de l'artillerie française avait été transféré à l'Ukraine. Ça, c'est
c'est avéré, et on peut quand même regretter que qu'on en soit à ce chiffre-là, qui n'est pas négligeable. Par ailleurs, je suis pas sûr que les chars légers 10 RC qu'on y fournit à l'Ukraine soient suffisants pour peser sur le champ de bataille. Ils sont à additionner avec d'autres, mais on n'est pas là dans une aide substantielle du point de vue de ce type d'armement. Je pense que pour le reste, on doit fournir un certain nombre d'autres choses, des rations. J'entends dire que les soldats ukrainiens apprécient beaucoup les rations françaises, mais là, on est quand même plutôt dans l'ordre de l'anecdote. Mais une fois de plus, on en revient à la question fondamentale. Pourquoi soutenir l'Ukraine, jusqu'où et dans quel but? Et ça, c'est aux politiques de répondre, à personne d'autre. Et je regrette qu'une fois de plus, ces questions-là ne soient pas vraiment débattues dans notre pays. Voilà. Nous sommes d'accord. Et donc, on voit bien qu'avec cette loi de programmation militaire, les intentions sont bonnes, mais qu'il reste à voir effectivement les actes, comme toujours, avec ce gouvernement. Merci à vous deux. Je rappelle, Philippe Nicolardo, que vous êtes ancien contrôleur général des armées, que vous animez l'émission du Libre Journal de la Défense sur Radio Courtoisie, dont la prochaine édition est le 19 juin. Et puis merci à vous, Bernard Wicht. Je rappelle que vous êtes expert en stratégie militaire, private docent à la Faculté des sciences politiques de l'Université de Lausanne, et que vous êtes auteur de plusieurs ouvrages sur les questions militaires. On va en citer quelques-uns. Les loups et l'agneau citoyen aux éditions Astrée, Vers l'autodéfense, Le défi des guerres internes aux éditions Jean-Cyril Godefroy, et puis dernièrement Ce que l'Ukraine nous dit de la guerre qui vient, un entretien réalisé par Laurent Chang et Slobodan Despot aux éditions Perspective. Merci à vous deux.